Salutations YouTube. Allez, on y retourne. Donc, à Isaac, repentance. Là, il y a eu des tweets de Macmillan et machin. Il semblerait que le... Repentance, le DLC soit ouf, il y a plein de surprises. Et nous, on n'a même pas découvert encore ce qui n'est pas des surprises. Ce qui n'est pas une surprise, c'est-à-dire juste anti-burst, les nouveaux étages, les nouveaux boss. Parce qu'on recommence depuis le début, mais c'est notre choix. Je vais jouer Eve en hard tout de suite. Oui, il faudrait qu'on se fasse de la coop. Est-ce que j'ai envie de faire... Attendez, on va voir. C'est vrai qu'on a, c'est la coop jusqu'à 4 joueurs en local, mais avec le remote play, on pourrait se faire des parties à plusieurs, et on fera des parties à plusieurs en coop, et ça sera très drôle. Ça me rappellera ces petites parties coop avec 1, 2, 3 lunatiques où la coopération était vraiment de mise. Ok. Host hat. Il protège des explosions et... En fait, ouais. Ah oui, mais le problème, c'est que je veux me faire toucher pour devenir War of Babylon. Non, il faut que je reset. C'est vraiment très peu F compatible, en fait. Basement XL. Pour la simple et bonne raison que j'ai envie d'être en War of Babylon, donc c'est de la merde. Ok. Tu reset maintenant? Non, j'ai joué... J'ai très peu reset. Normalement, je joue même les pires builds. C'est juste que là, je me suis dit... Basement XL, c'est chiant. C'est chiant notamment pour ça, quoi. Là, c'est particulier, mais ouais, valait mieux, en vrai. Hein. Parce que Eve, quand elle est pas War of Babylon, on s'ennuie, quoi. C'est l'attrait principal, quoi. C'est justement d'avoir un stuff... un peu moins... Shielded Tears. Oh là là, ça va être défensif et infernal. Shielded Tears, c'est quand même très cool, hein. Surtout si on combotte derrière avec un truc transperçant. Shielded Tears, donc les larmes blindées. Qui annulent les balles adverses. Les larmes adverses. Au contact. Permet de jouer beaucoup plus serein. Hein. Alors qu'il y a un scam train en cours. Mais comment ça se fait? Ah non, c'est une prédiction. Pas de scam train d'ailleurs encore ce soir. On va peut-être parler... Vous savez qu'en ce moment, je mate The Office. Je découvre enfin The Office. Et je me demandais... Ah putain, j'aimerais bien... Tout le monde parle de The Office depuis des années. J'aimerais bien regarder, mais je sais pas où. Et il se trouve... que sur Prime Video... Prime Video qui a un service de VOD à la demande de Prime, Amazon Prime. Et ben, il y a toutes les saisons de The Office. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir les saisons gratuites et un sub gratuit, hein, renouvelable chaque mois, une chaîne Twitch de votre choix, vous avez en plus accès à plein de films et plein de séries. Hein. Surprenant. Surprenant, surprenant. C'est demain le JDR, le chat. Non, le JDR, c'est le 7 avril. Mercredi. D'ailleurs, on est en train de discuter là, parce qu'on avait une opportunité. Finalement, on la fait pas. Alors, on se dit, oui, mais est-ce qu'il faudrait la faire? Mais pourquoi on la fait pas? Parce qu'il y a des frais en plus. Et là, bon, j'ai pris l'info. Ça coûterait 2-3 000 balles. Je pense que... voilà. Je pense qu'on va sortir la carte bleue de la MV Production et on va dire bon. Il faut saisir l'instant quoi. Ok. On va voir. Ça serait pour faire une émission spéciale, mais reste à voir si ça vaut vraiment le coup. Ok. La black card. Ah non, j'ai pas de black card. Je peux pas faire le youtubeur star en soirée qui a fait tomber sa black card par terre en disant oh, si je fais tomber ma black card. Vraie anecdote. Vous ne saurez jamais qui c'est. Ok. Alors, ok, à droite, machin.
Bon, en théorie, elle est là, la secret. Faut arrêter, là. Oh, oh, la belle prise. Incroyable, ça. Incroyable. Alors, croyez-moi qu'on va avoir le Devil Deal au prochain étage, hein. Oh, la belle prise. Ah, ça guess, hein, ça essaie de guess. C'est Mintos. Ah, c'est Mintos, il a changé, hein. Mintos, le jour où il a atteint 1000 subs, il est monté à Paname, je l'ai vu le soir même. Deux escortes au bras. Commandait bouteille de champagne sur bouteille de champagne et il a lâché sa black card, quoi. Je l'ai vu jeter sa black card littéralement à la gueule d'un serveur. Ok, merde, merde, merde. Bon. Ok. Ok. Bon. Là, j'ai chant. Ok, let's go. Ah non, j'ai quand même trouvé l'item. On est pas des sauvages. Alors quoi que là, c'est gratuit, hein, let's go. Ah, c'est notre ami la petite mouche. La petite mouche mignonne. Ok, kawaii. Ouf, face aux larmes blindées. J'ai toujours pas tué l'autre mouche, hein. C'est quand même un monde, hein. On va s'en débarrasser un jour de la petite mouche. Vous pensez qu'on tue la petite mouche avant la grosse mouche? Oui. Alors c'est risqué hein, s'il n'y a pas de Devil Deal. Je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux parce que j'ai envie d'être en War of Babylon, tout simplement. Donc la pilule, elle est pourrie. C'est un range down, c'est ça? Mais si j'utilise mon range down, je gagne du dégât. Donc c'est ça, hein, le PHD, le faux PHD. C'est toutes les pilules deviennent atroces. Mais quand vous les utilisez, elles vous donnent des dégâts up. C'est le PhD de Raoul, c'est exactement. Ou le diplôme d'épidémiologiste d'Emmanuel Macron, au choix. Ok. C'est l'un ou l'autre. Tu... Ah quoi, mais c'est une petite salle d'items, elle est là. C'est parti. Ah c'est quoi, c'est le Kibum ça? C'est genre atroce, ça. C'est bien ça. C'est le mendiant qui pique les clés. C'est ça, non? Pour la collection. Oh là là. Ouais, probablement, mais... Le coach, quoi. Mais quoi que finalement, la croix qui me saigne à blanc, là, c'est génial, hein, parce qu'au début de chaque étage, elle va m'enlever tous mes cœurs rouges. C'est-à-dire que même si j'ai plein de cœurs rouges, ben, c'est pas trop grave, grâce à cette merde. Oh mais je suis con, putain, je prends tout mon temps alors qu'on a un build puissant. Est-ce que ça serait pas... Est-ce qu'on aurait pas dû plutôt tenter le rush pour... Oh, putain, je suis super déçu d'avoir fait ça. Pour un boss rush 7 minutes 50. Bon, il faut rusher les caves si je veux faire ça. Évidemment, on n'a pas le mapping. Aïe! Voilà, voilà. Je me suis fait défoncer par la croix, mais du coup, j'ai beaucoup de... J'ai un gros dégât up.
Mais si je me, si je récupère des cœurs rouges, je vais perdre ce, cette aura rouge là. Non, parce que la croix elle est ensanglantée, elle est contente. Je suppose. J'ai que deux clés, du coup je suis pas sûr de vouloir prendre la, la salle de dés. Oh, c'est chiant, on perd du temps, on perd du temps. C'est quoi? C'est forcément là. Lockdown? Hop. Moins 1 de luck, plus 0,63 de dégâts, c'est d'accord. Même si luck ça fait chier hein, parce que ça veut dire qu'on va, on va rien dropper plus tard. Mais c'est pas grave. Le but c'est de faire un build monstrueux et d'être autonome. Une nouveauté toujours ou pas? Pas encore hein, mais on avance, on avance. A priori, là, ce qui est en train de sortir, c'est que les nouveautés sont monstrueuses et qu'il y a des nouveautés dans les nouveautés. Au-delà des nouveautés. Joker. Très bon, ça. C'est long. Je vais me mettre comme ça, 9,35. Ouais, c'est long. Le shop... J'hésite à prendre le shop pour mettre mes pièces, on verra plus tard. Go. Mais putain, non mais non mais ouais, faut pas que je joue n'importe comment par contre. Ça, ça va être un vrai problème. Surtout si je dors plus de cœur. Enfin j'ai pas trouvé mon objet, on est d'accord. Oh Fallen, c'est très bon ça, ça va être un objet de Devil Deal. J'ai pas pris mon objet, c'est courageux hein. Mais sans le mapping c'était trop chiant donc tant pis. Si on veut jouer le boss rush. À la limite même si je perds mais que j'arrive à faire le boss rush c'est ok, au moins on aura fait un truc. Oh le HP up là qui tombe, ça ferait plaisir. Oh zut, si j'avais ma carte The Hanged Man, si j'avais récupéré ma carte The Hanged Man, j'aurais pu récupérer ça si j'avais récupéré ma carte The Hanged Man. La boule de poil de Guppy, la couille. Oh c'est long. C'est beau mais c'est long. Arrêtez de le décaler parce que c'est long. Merci. Range down, c'est d'accord. Ça a commencé à se voir, non, que j'ai pas de range. Mais j'ai des dégâts. Je suis une merde. Ludovico Technique sans Brimstone, c'est horrible, non? Enfin, c'est bien pour être planqué, mais ça va trop peu proc. Plus de problème de range. Vous savez quoi, je vais le prendre. Pour la collecte. Le Black Candle, on le veut. Je veux l'avoir et je l'aurai. Ah par contre, le problème c'est que la vitesse à laquelle bouge le Ludovico, c'est le shot speed. Et comme vous voyez, j'en ai très peu. Et du coup, ça me fout dans une merde.
J'arrive même pas à les rattraper. Ah mais j'ai ma couille de guppy. C'est-à-dire qu'il faut que je joue avec ma couille de guppy et le duvico technique, ça va être... la technique, hein. Mais du coup, j'ai même pas assez de cœur bleu pour un devil deal. Ma vie pue le sexe. Ok, on a peut-être résolu le problème. Ils sont où? Ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais... voilà. Ziengman! Deux secondes. Y'a pas de machine de don, ils sont les petits bâtards. C'est bon, j'ai 15 balles. C'est tellement lent. Strength pour arnaquer un devil deal. bien tout droit là, comme ça. Voilà. Parfait. 80% c'est 0%. Putain ouais, j'ai 80%, c'est dégueulasse. Ah oui, il m'a défoncé. Merci. Ah, et le Gimpy qui m'a donné un cœur bleu, c'est du génie, hein. Plus du génie en fait. Pas de clé. Et en plus j'ai l'autre con qui mange mes clés. C'est un joueur. Mais conneries! Pourquoi elle est pas partie quand je suis allé en haut? Mais... oh non, il a mangé! Utso, c'est nul! Oh non. Non, pas lui. Pas lui. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Good, good boy, 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 good boy. Par contre, ça se déplace très lentement.
Il est où là? Oh, dommage réduction. Mais je veux pas ça. C'est nul vu que j'ai aucun objet. Je veux l'autre truc. Nom de nom. 17,50. Ça va être compliqué si je trouve pas le boss vite. Avec ce stuff si lent. Il est là. C'est du génie. Non, c'est ma clé. J'ai pas 100%. Ah non, c'était au l'étage d'avant. Ok. On connaissait, non, cette tomate pourrie là. Tiens, mais tout est sur des pics, c'est dégueulasse. C'est une honte. J'ai oublié de me faire bolo 7 quoi. Aïe. C'est pas vrai. Oh, direct la S. Sauf que Gimpy va me faire plaisir. Oh, parfait ça. Non, 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 non. Ah, si seulement ça bougeait plus vite. Oh, quel enfer. Panique. On déplace. Ouf. Ok, faut que je la tire vers moi, que j'en profite pour prendre les mobs. Et merde, je comprends rien. Quand il croise les bras, c'est diagonal. J'oublie tout le temps. Vacances, j'oublie tout. J'ai rien à faire du tout. Fallen. C'est ça que j'ai l'arme blindée en plus, c'est-à-dire que si je bouge bien l'arrivée des larmes, c'est inoffensif quoi. Ok, nickel. On revient là. Le spawn de droite, hop là, Loki. Oh. Oh si. Oh zut, il rush, putain, je voulais arnaquer le Dark One pour pas qu'il me fasse chier. Faut pas qu'il rush, voilà, faut qu'il reste skill 30 là, chill. Ok, chill, voilà, c'est un mec chill. Ok, il y a du cœur bleu qui tombe, c'est bien. Oh, Death aussi, faudrait ça. Hop, ah, parfait. On n'aura pas eu le temps d'avoir les faux. Oh, lui, ça peut être terrible. Ah oui, si on peut éviter tout le bordel. Oh, magnifique. Attention, Bloat, faut pas être en dessous. Oh, sale bail. Beaucoup de vie, méga fatigue. Cœur éternel. Pas forcément le boss rush le plus confortable qu'on ait eu, mais... Contre Hush, ça serait pas si mal, hein, ce stuff.
Hush, ça demande de l'esquive, hein, mais il est pas très mobile, Hush. Je vois pas le temps là. Oh non, adversary de mort. Oh là là, c'est chiant, adversary. J'ai oublié d'être mobile, de faire des tours autour de lui. Non-stop. Ça arrête quand? Jamais, visiblement. Ok. Ah, Blastocyst, ça serait bien. Oh, ben, nice. Ça serait bien de pouvoir le gérer vite parce qu'il a peu de vie. C'est juste que là, il est chiant. Arrête de sauter. Voilà. Ça. Plus Dieu. C'est parfait ça, non? Ah non, attends, j'espère que c'est pas plus Dieu les ennemis, hein. Oh là, si j'avais un Dark Bomb là, ça serait le festival. Ok. Pas sûr que ça marche avec Ludovico, ouais. Aïe! Merci. C'est tellement lent par contre. Faut se lever tôt, hein. Ça se trouve, le range me fait perdre la vitesse, hein. Bug down, d'accord. Oh les dégâts. Chiance. Ah, il y a Ben de Twitch qui joue à Isaac. Hop. Soit. Cool. Il a volé la clé. Hein. Il a volé la clé Insta. Petit bâtard. Est-ce qu'il m'a donné quelque chose? Jamais. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Rien. Ah, c'est la beauté d'Isaac, hein. Les parties ne se ressemblent pas forcément. Ce petit stuff Ludovico. Aïe aïe aïe, ça c'est dur. Le problème c'est que si Gimpy est influencé par la luck, ça nous mettrait mal. Hein. Non non non, la prends pas. T'as pas vu la clé, t'as pas vu la clé, bien bien bien. Ah, on a peut-être pris le bon chemin, hein. Oh, c'est horrible. Je vais rester là en PLS. Non. Oh, ça risque d'être très long. Ça risque d'être très long, cette salle. Mais je pense pas que Hush, il ait été débloqué. Il existe, hein, il y a encore une possibilité, hein. Nice pige. Urgh. Quoi? Mais qui?
D'accord. Ah, ah mais les feux de merde. 27-14. Justice. Le coup dur. Oh le coup dur, ouais. C'est un lucky coin ? Pas du tout. C'est une clé ? Oui. Regardez, j'ai l'inspiration, je vais trouver le boss. What the fuck? Allez! Ok. Bah oui, c'est chiant. Évidemment que c'est chiant. Allez, la dinguerie. J'ai réussi à garder des clés malgré l'autre idiot. Bon, le plus important c'est là et là déjà. Parce qu'en fin de famille c'est fort en défense. Robert Simon c'est encore un modificateur de l'arme. Que j'ouvre le coffre, probablement une erreur. Les mouches, j'en ai pas vraiment. La carte, ça peut être fou, un joker. J'ai la machine de don, hein, sinon. Y'a pas de clé, c'est ce que j'espérais. La carte, si c'est joker... Non, c'est zéro. Donc ça... Non, mais non, 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 putain, je suis con, oh là là, je lui ai laissé bouffer une clé, ma vie pue. Strength, parfait. Nice. Un shot speed, ça a un peu moins se traîner le cul. Pas Steam Sales parce que y aura plus de shop et j'avais pas encore pris Hive Mind pour la collecte. $780 machine, non on a pas repris de save. On a juste très bien rempli cette machine. Merci Bubix pour le prime. Merci Enil Orachi pour le prime. Ok. Reste éloigné pour l'Ump of Call. Ah si c'est par rapport à la distance de la larve par rapport à moi, c'est du génie. Allons-y. Clack strength. Let's go.
Ah, si je mets bien devant lui et que je me mets par rapport à... Voilà. Que je close le gap entre lui et moi, y'a rien qui passe. Parce que Shielded Tears... Le seul point chiant, ça sera éventuellement... Les tornades après. Ça, ça peut être chiant. Je sais pas à quel point ça a l'air moi. Normalement, avec ça, ça va aussi me permettre d'accueillir directement tous les mobs là qui fait sortir de sa bouche. Incroyable. Ce combat qui est tellement chiant en esquive. On est en train d'annuler tout ce qui peut être chiant dessus. Nice. Allez, ça termine le run. Let's go. Dommage, on aurait bien continué. Build assez rigolo. Atame, The Void. Ah oui d'accord, on a débloqué The Void grâce à ça. Ok. Elvi. Excellent. Premier combat avec The Hush. Quasiment un no-hit. Avec un build inattendu. Et bisous YouTube.